Et nous allons aller voir Bertrand Lemaitrier après Kadam, Telem. Bon, on tremble moins avec Telem, même si on tremble toujours en obstacle. C'est un cheval exceptionnel. Ouais, non, pas bah dis-nous tout. Non, mais je tremble plus avec Telem parce que Kadam, la route est longue. C'est un super cheval. Les émotions. Mais moi, j'étais beaucoup plus confiant entre guillemets avec Kadam qu'avec Telem, parce que Telem. Faut pas la perdre en fait. Faut pas la perdre. Voilà. Et avec Kadam, il aurait été second. Enfin, on est là pour gagner les courses, mais l'avenir est derrière lui. Et Telem, à chaque course, c'est toujours une étape, et c'est ces étapes-là qui sont dures à accumuler. Et c'est sympa, je trouve, c'est ce cheval finalement plus que les autres qui ramène la famille, toute la famille Douglas Gordon après leur père, enfin toute la famille autour d'un cheval, quoi. C'est une belle histoire géniale depuis le début. Vous savez, quand les histoires commencent bien, elles finissent souvent bien. Et c'est ça depuis le début. Ça leur a permis de re-rentrer, d'acheter quelques nouveaux chevaux qui vont partir à l'entraînement chez Arnaud et chez Marcel Roland. Et voilà, l'histoire continue. Et maintenant, le plan, c'est de Cheltenham. Oui, les Anglais doivent trembler maintenant, parce que jusqu'ici, ça fait longtemps qu'on leur a pas envoyé un cheval de ce calibre-là. C'est sûr, mais après, ils se négligent un peu, hein, quand même. Il faut le surveiller. Donc Arnaud est en train de préparer un peu son programme. Il prépare les clés déjà, c'est pour ça. Oui, mais je suis pas sûr qu'il va les voir avant le jour J. On verra. On fait confiance à l'entraîneur. Bravo Bertrand. Merci. Bravo. Là où tout a commencé, c'était chez Damien de Vatrigan, félicité par Philippe Prévost-Barat. Bon bah du plat et du radement d'or au sommet d'Auteuil, c'est inattendu. Comment vous avez vécu toute cette course et cette histoire avec Telem, surtout parce qu'on vous a rarement vu ici pour le supporter, ce cheval qui était chez vous au tout début. Bah oui, parce que j'avais quelques occupations, mais c'est vrai que Charlotte et Bertrand m'ont dit qu'à un moment il fallait quand même qu'on vienne avec Axel de supporter un peu notre champion. Et aujourd'hui, en plus, on avait Louveteau qu'on a élevé au Haras de Mandor qui courait tout à l'heure. Donc on s'est dit c'est la bonne occasion. Et le cheval l'a refait comme d'habitude de façon extraordinaire. C'est un cheval hors norme. C'est sûr que quand on l'a récupéré au Ventosarus, on ne pensait pas qu'il prendrait ce chemin-là. Mais c'est un cheval qui a eu toujours un calme extraordinaire et cette façon de se déplacer qui était peu commune. Et c'est pour ça qu'après sa victoire de la test, on a appelé Bertrand pour lui dire qu'on avait peut-être quelque chose de spécial dans les box. Et puis voilà, Bertrand avec son équipe, avec Arnaud et Philippe Barat a fait le reste. Voilà. Parce que oui, quand on est entraîneur de plat, quand on voit un grand coco arriver comme ça à 2 ans dans la cour, qu'est-ce qu'on se dit au premier abord? Je l'ai pas vu arriver en fait. L'histoire a commencé, c'est Pierre Talvar qui est venu me dire qu'il avait un cheval qui pourrait me plaire. Donc on est allé le voir avec Axel à la fin des ventes aux Arus. Et le cheval, en sortant du box, avait un physique, c'est vrai, atypique. Il avait déjà, il était déjà assez grand et un peu plat, mais pour son âge, c'était un peu normal. Mais en fait, avec Axel, ce qui nous a plu, c'est quand il s'est mis à marcher. Il avait un truc atypique. Voilà. Quand il galope, c'est encore mieux. Bravo à tous.